partie Umook Story et on va parler de ce qu'il s'est passé cette semaine, donc la semaine passée. Oui, alors il faut savoir qu'on a toujours sur la plateforme une augmentation des différentes participations. On a 7860 participants qui sont en ligne dans l'environnement. On arrive presque à 8000 participants, ce qui est déjà pas mal. Oui, en effet. Alors, au niveau de la prise d'information, la semaine passée, on a toujours une consultation des capsules qui est assez importante. On ne va pas chaque semaine donner des chiffres. Hein. Par rapport à ça, ce qui nous semblait plus important, c'est d'avoir un point de vue un peu plus qualitatif et essayer de reprendre des questions qui sont posées par rapport au contenu. Et donc, voilà, on en a identifié deux qui nous semblaient intéressantes. Alors, il y a Yves qui nous propose une question. Hein. Donc, c'est par rapport à l'articulation entre les deux taxonomies. Pour lui, je reprends ce qu'il nous dit. Le fait que parmi les niveaux de la taxonomie de Tyrsio, quatre d'entre nous semblent pertinents à prendre en compte. Ah bon? Et selon quelle base cette pertinence? Alors il faut savoir, Yves, que oui, on est dans une logique de croisement et bien évidemment, on fait un choix, évidemment, donc c'est un peu basé sur une technique de créativité, de concassage. À un moment donné, effectivement, on n'est pas obligé de reprendre les sept niveaux de la taxonomie de Tyrsio, si on l'utilise de manière indépendante, pourquoi pas. D'autant que je pense que dans un apprentissage, on n'est pas obligé de passer par ces sept phases-là. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, tout au long d'une année, tout au long d'une formation, on peut évidemment varier les opérations mentales qu'on propose chez les élèves. Donc l'idée ici, c'était vraiment de croiser les deux taxonomies selon une démarche un peu de combinaison. Et les quatre niveaux qui nous semblaient intéressants, où on pouvait faire varier justement la manière de proposer la solution, c'était le niveau de reconnaissance, d'adaptation, d'achèvement et de production originale. Voilà, tout simplement pour cette première question. Alors, il y avait une deuxième question qui était relative au croisement, cette fois-ci, entre la taxonomie de Bloom et les différents types de connaissances. Alors, plusieurs questions. Je n'ai pas bien compris ce qu'étaient les concepts, structures par rapport aux faits, procédures et connaissances métacognitives. Une autre question qui va dans le même sens. Alors, il faut bien savoir que tout ce qui est connaissances factuelles sont plutôt les exemples, des faits qui sont isolés. Les connaissances conceptuelles, c'est davantage quand il y a une mise en relation des différents éléments. Et donc, dans la partie, dans la dernière partie du MOOC, on vous présentera justement une capsule qui est dédiée à la conceptualisation et où vous aurez l'occasion d'en savoir plus. Justement, sur ces différents types de connaissances, en proposant d'ailleurs des modèles aussi qui permettent d'éclairer et de comprendre cette classification des connaissances. Voilà. D'accord. Alors, une Oui, peux-tu autre. nous parler du partage justement d'informations Oui. qu'on peut remarquer dans ce MOOC Alors, vous êtes évidemment toujours nombreux à partager des informations. Sur les différentes thématiques. Alors, comme la semaine passée, on observe que les deux premières thématiques sont toujours alimentées. Hein, donc, on continue évidemment de déposer dans le dossier Dropbox. Et donc, ça permet évidemment d'arriver à des chiffres assez intéressants. Près de 500 ressources dans le dossier Ati, près de 300 ressources dans le dossier information. Cette semaine, vous avez été nombreux aussi à partager des informations. C'était pas d'identification ici, hein. On était vraiment dans de la production et vous étiez amené évidemment à compléter le tableau. Alors certains sont même allés plus loin. D'accord. On remarque aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de partages aussi sur Facebook. Oui, enfin, dans la partie qui est liée au partage sur Dropbox,
on observe aussi que les informations sont assez différentes. Donc on a par exemple Hélène Bernizet qui a fait le choix de vraiment compléter l'ensemble du tableau à partir de l'objectif lié à la conception et à la participation à une activité collaborative. Donc elle a essayé évidemment de trouver toutes les solutions dans les différentes cases du tableau. Ben, on la félicite, elle dépasse évidemment ce qui était proposé dans les consignes. Et on a aussi Barnabé qui nous propose le tableau sous la forme d'une feuille de calcul. Donc vraiment des travaux très intéressants. Donc voilà, chaque semaine on pointe quelques travaux qui sont un peu inédits et on voulait les mettre en avant. Il y en a d'autres évidemment dans l'espace qui mériteraient d'être commentés. Voilà. D'accord, merci. Oui, donc au niveau de Facebook, il y a également des informations qui ont été partagées par les participants. Et donc on a pas mal de documents qui ont été proposés. Et donc on a un document proposé par Déborah Michel qui clairement a essayé de reprendre une information qui était présentée dans la dernière partie de la capsule relative à la structuration qui concerne la distribution de l'apprentissage. Et donc elle s'est appuyée sur un auteur en neuroéducation qui s'intéresse justement à la manière dont on peut mieux gérer les apprentissages en s'intéressant aussi à tout ce qui est neuro. Donc, elle a partagé un document qui est issu de la revue Vivre le primaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'article, on explique exactement pourquoi, évidemment, le principe de distribution de l'apprentissage est bénéfique. Le simple fait, évidemment, qu'on profite évidemment du sommeil et que le cerveau réactive les réseaux de neurones liés aux apprentissages qui ont été réalisés récemment. Et aussi que l'activité cérébrale est beaucoup plus intense quand on a l'occasion justement de partager l'effort plutôt qu'une situation où on va masser l'apprentissage. Voilà. C'est beaucoup de pistes concrètes aussi. On a beaucoup de pistes concrètes pour la pratique en classe et ça, on trouve ça assez intéressant. Et les participants sont justement demandeurs de ce genre d'informations. Oui, et donc on a également des réponses qui sont par rapport à ce qui a déjà été demandé dans le groupe Facebook. Tiens, il n'y a pas d'informations par rapport à John Hattie en français. Et là, il y a Fabrice Huin qui propose une version francophone d'un entretien de John Hattie, d'une présentation de John Hattie. Et là, il y a eu pas mal, évidemment, aussi de likes sur cette information proposée par Fabrice. Merci à Fabrice. Alors, au hit parade, évidemment, du partage, il y a Lisiane qui nous propose pas mal d'informations. Et une information qui nous semblait intéressante à relever, c'est le fait qu'elle a identifié une ressource où il y a une application du principe d'ancrage qu'on avait pu décrire dans la capsule informée et qui concerne la classe inversée en sciences physiques. Donc c'est aussi une vidéo où il y a un témoignage d'un enseignant par rapport à son retour d'expérience du dispositif. Intéressant. Merci à toi Lisiane pour ce partage. Donc toujours beaucoup de monde aussi sur Facebook. On observe une augmentation. On est à environ 2300 membres dans l'espace et donc la collaboration est assez intense. Voilà, au niveau du partage. Merci Gaëtan. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus au sujet du nuage de mots? Oui, alors le nuage de mots, effectivement, vous êtes nombreux aussi à tester l'application Orasma pour justement trouver le lien. Alors évidemment, on cache chaque fois le lien dans les différentes capsules. Alors, le lien ici était activable via le modèle de Bloom, et là, on vous posait bah, quelle était votre préférence en termes de capacité à développer chez vos élèves. Et ce qui revient, bah, c'est plutôt de la production divergente avec l'évaluation et la création. Merci à vous pour ce retour d'information. Alors, on va passer à la partie UMOOC conseil. Et moi, je cède ma place à Francesco qui...